À l'occasion de la sortie de son autobiographie, Florent Pagny s'est confié sur RTL ce mercredi 5 avril sur certains éléments de cet ouvrage, et notamment sur sa relation avec Vanessa Paradis. Une histoire de quelques années qui a fait réagir son épouse, Azucena Camano. Sa carrière, la musique, ses relations amoureuses, sa femme, son cancer. Tous les sujets sont abordés dans le livre autobiographique de Florent Pagny, simplement intitulé Pagny par Florent Pagny. Paru aux éditions Fayard ce mercredi 5 avril, le chanteur qui a entamé un deuxième combat contre la maladie s'est rendu dans les locaux de RTL pour parler de son actualité. Une actualité chargée marquée par son livre et son retour sur scène dans quelques semaines, malgré des craintes concernant son souffle qui manque à cause des médicaments. Alors qu'il évoquait plusieurs passages de son livre, celui qui a annoncé une très bonne nouvelle à ses fans est revenu sur son histoire d'amour avec Vanessa Paradis. L'épouse de Florent Pagny juge son histoire avec Vanessa Paradis entre 1988 et 1991. Florent Pagny a été en couple avec l'interprète de Joe le Taxi. Une relation pas forcément bien vue à cause de leur importante différence d'âge. En effet, elle n'avait que 16 ans lorsqu'ils ont commencé à se fréquenter, et lui avait 26 ans. Dans son livre, Florent Pagny assure ne rien regretter de leur relation, malgré une rupture très douloureuse, même s'ils ne sont plus en contact aujourd'hui. Toutefois, son épouse Azucena Camano s'amuse de cette idylle, « Toi tu as passé 3 ans avec Vanessa, mais elle, n'a jamais été avec toi », lui a-t-elle dit. L'interprète de Ma liberté de penser s'explique, « À chaque fois qu'il y avait un article me concernant, j'étais toujours l'ex ou le fiancé de Vanessa Paradis. Et à chaque fois qu'il y avait un article la concernant, je n'étais jamais l'ex de Vanessa. » Florent Pagny estime avoir été un élément pas très fréquentable, une remarque qui n'est pas forcément une mauvaise chose puisqu'il estime ne pas toujours avoir été un élément très fréquentable. J'étais associé à un mec qui était peut-être dans le trou, qui fumait des pétards, et un peu plus tard, qui ne payait pas ses impôts. J'ai quand même eu quelques casseroles, déclare le chanteur. Pourtant, quand Florent Pagny a rencontré Vanessa Paradis, cette dernière était dans une situation compliquée alors qu'elle subissait un lynchage d'une partie du public, de certains élèves et professeurs alors qu'elle était toujours scolarisée. C'était un peu bizarre sa carrière, se souvient-il sur RTL avant d'expliquer, elle était montée très haut à 14 ans et à 16 ans tout le monde avait quelque chose à se moquer. Des critiques injustifiées pour celui qui la voyait comme une superstar, un bijou et un diamant. À lire aussi, j'ai hâte de me prouver que je suis capable, en forme, Florent Pagny annonce une très bonne nouvelle à ses fans.